reborn. Chaos reborn. Ha! Wow. Bonjour les frères et sœurs. Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des moqueries. Les moqueries des gens. Mes frères et sœurs, que les moqueries des gens ne vous empêchent pas d'avancer dans la vie. Si vous voulez faire un truc, une activité, et vous avez peur de ce que vont penser les gens, vraiment, évitez ça. Évitez ça. Parce que si vous voulez toujours regarder les gens, ce que pensent les gens, vraiment, vous n'allez rien faire dans la vie, rien faire si c'était. Vous n'irez vraiment pas loin. Aujourd'hui, les gens ne donnent pas des critiques constructives, mais ils donnent des critiques pour pouvoir éteindre les gens, pour pouvoir démonter les gens, pour pouvoir décourager les gens. Quelqu'un vient te dire que ce que tu fais là c'est bien, mais pourquoi ne commence pas par dire que vraiment je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. C'est mauvais ce que tu fais. Et il explique en même temps. Mais quand il se cache derrière les mains là, ce que je suis là, c'est le démon qui a l'œuvre. Que personne ne te décourage d'avancer ou de faire une activité. Vraiment. Au départ, ici dans le pays, il y a les gens qui voulaient vendre du gaba. Vous voyez en Côte d'Ivoire, les gens aiment beaucoup manger du gaba. Au départ, c'était les gens venus d'ailleurs qui se lançaient dans cette activité. Et quand certains Ivoiriens avaient le courage de vouloir lancer cette activité, ce qui se passait, c'est que certaines personnes leur disaient « Ah, toi, tu es un choco. Toi, tu es un choco. Comment peux-tu te lancer dans une telle activité encore? Il y a quoi? Toi, tu es un choco, non? Toi, tu es un dieu, non? Quel chat ?» Certains se sont découragés. D'autres, malgré tout ce que les gens pensaient là, de cela, ces gens ont réuni leur force et ils ont réussi à ouvrir leur petit coin. Et de ce petit coin, ils sont allés ouvrir encore un autre grand coin. Et leurs activités se sont développées d'une manière qu'eux-mêmes se sont dit, moi qui voulais me lancer dans ce business, les gens m'ont jugé, m'ont dit que non, je suis un gars choco, je ne peux pas me lancer dans ça. Mais aujourd'hui, regardez où je suis. Les gens me prenaient pour un fou. Les gens me prenaient pour un cinglé, non? Mais regardez où je suis maintenant. J'ai avancé. C'est pourquoi moi, je veux vous dire ici que la honte ne vous empêche pas de réussir. Que la bouche des gens ne vous empêche pas de réussir. Il faut que je vous parle de ça. Dieu m'a à cœur. Il faut que je parle à quelqu'un. Mon frère. L'homme est multidimensionnel. L'homme peut tout faire. Même tu peux être Bella. Tu peux être un maçon. Tu peux être un cordonnier. Tu peux être vendeur de gaba. Ça fait quoi? Si tu aimes la chose, tu le fais. Sans gêne. Ce qui ne te gêne pas là et qui gêne quelqu'un, toi tu fais quoi avec? Toi tu dis que tu aimes la chose. La personne à côté dit que non, toi tu es une fille, tu es allé faire de longues études. Comment est-ce que tu vas venir devenir une couturière ou bien une coiffeuse? Toi tu dis que tu es devenue une couturière. Bien que tu aies fait de longues études, tu as des diplômes et tout ça. Peut-être même que Dieu merci, tu travailles, mais tu veux vraiment aussi te lancer dans la couture parce que tu aimes ça. Si toi, ça te plaît et que ça ne te fait pas honte, il faut foncer. Celui-là qui ça va faire honte, il faut laisser la personne dans ses délires. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Il y a des gens qui sont là qui ne veulent pas avancer. Mais en même temps, vous retardez ceux qui veulent avancer. Si tu marches avec de telles personnes, vraiment, moi, je vais te donner un conseil. Il va falloir trouver une solution.
une bonne solution. Et cette solution sera de te séparer de telles personnes. Des personnes qui ne pourront pas t'aider à avancer, qui vont te retenir dans les mauvaises choses. Si tu marches avec des amis qui n'ont que pour idée de sortir chaque jour, aller jeter de l'argent sur les gens au maquis, faut dire à tes amis là que tu es fatigué. Dis là, je suis fatigué. Aujourd'hui, je me repose. Et puis, garde ton argent à la maison. Garde ton argent sur toi. Utilise ton argent pour faire de bonnes choses. Pour faire quelque chose d'utile. Et non des choses qui n'ont aucun sens. Au lieu de te donner des bonnes idées qui vont te changer la vie, et tu donnes des idées qui vont te permettre de dépenser. Si tu marches avec des amis et que tu ne gagnes rien de plus, hein, vraiment, il faut se séparer de ces amis-là. Il faut leur dire, hey, vous là, depuis que je suis avec vous là, je ne gagne jamais, je perds. Depuis que je suis avec vous, je ne gagne jamais. Je ne fais que perdre. Il faut que je change. Il faut que cela change. Il faut que cela change. C'est comme toi, tes amis, eux, toujours leur job, c'est d'aller au Koutougoudrom. Est-ce que vous connaissez le Koutougoudrom? C'est comme un endroit où on boit de la boisson, de l'alcool. En fait, c'est une boisson qui s'appelle Koutoukou. Et tous leurs trésors te disent, ah, viens aller au Koutougoudrom. Quand tu as un peu d'argent, ils te disent, hé, hey, aujourd'hui, c'est toi qui as misé. Aujourd'hui, c'est toi qui as misé, tu as nous fait boire. Hé, Dieu. Non seulement ils te découragent, quand tu as de bonnes idées, tu as de belles idées, quand tu te lances dans un projet, et en plus, ils t'appellent, ils t'envoient, ils t'amènent dans les coins pour que tu puisses encore dépenser le peu que tu as. C'est quel genre d'amis ça? C'est quel genre d'amis? Non. Faut moi, mes frères et sœurs, que rien ne vous empêche d'avancer. Travaillez vraiment avec votre joie, avec la joie. Faites tout ce que vous faites, même si ce sont des petites choses, faites-le bien. Mettez du sourire dans ça. Et puis, profitez de chaque instant que Dieu vous donne. Ne comptez aussi jamais sur vos biens, sur le matériel. Comptez toujours sur Dieu. Même si Dieu vous a rendu multimilliardaire, ne comptez pas sur votre argent. Ne comptez pas sur vos biens. Expliquez toujours en Dieu. Tu vois des choses chaque jour. Je vois des trucs chaque jour. Il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire. Mais je suis en train de collecter toutes les informations d'abord. Quand ça sera prêt, là, je vais descendre ici en force et en puissance. Non. Même il a dit, ah, nous, là, il vient d'où? C'est qui ça? C'est avant de qui? Eh oui. Vraiment, que Dieu bénisse votre semaine et que vous guide. Dès qu'il y a de nouveau une nouvelle vidéo, il ferait une autre vidéo ici sur ce bord. Soyez prêts. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Que Dieu bénisse vos activités. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.